pour une nouvelle vidéo donc qui est sur le shampoing sec ou très exactement comment on s'en sert. Donc tout d'abord je tiens à préciser que le shampoing sec c'est pas pour remplacer un shampoing, c'est juste pour dépanner quand vraiment il y a besoin ou qu'on n'a pas le temps de se laver les cheveux. Donc cette vidéo va tout simplement consister à vous montrer comment on se sert d'un shampoing sec. Alors tout d'abord, moi ce que je fais c'est que je prends mes cheveux et je les brosse. Donc j'ai gardé mes cheveux sales exprès pour vous. Vous avez de la chance. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de les nettoyer avec des cheveux propres. Voilà. Donc une fois qu'on a brossé les cheveux, on va prendre son shampoing sec. Donc là c'est le Baptiste. Le Baptiste original. Donc on va commencer tout simplement à mettre au niveau de la première raie. Et ensuite, on va faire ça par étapes. On va faire une sorte de nouvelle raie. Et on va encore appliquer le shampoing sec. Et on va continuer sur toute la tête comme ça. Désolée si la lumière n'est pas top. Elle était mieux tout à l'heure, donc c'est les nuages qui ont décidé de cacher le soleil aujourd'hui. Voilà, donc en général je le fais jusque là, je ne vais pas plus bas que ça au niveau des étapes, puisque personnellement ici mes cheveux ne sont pas spécialement gras. Voilà, et on va reprendre l'autre côté de la tête pour qu'on ait fait les deux côtés. Voilà. Et ce que moi je fais aussi, ce qui va me donner encore plus une allure de grand-mère, une allure de grand-mère, c'est que j'en mets aussi sur les côtés devant au niveau du front. Voilà. J'ai pris 30 ans d'un coup. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est... Donc là je vais pas le faire, mais ce que je fais en général, c'est que je fais une étape ici, j'en mets ici. Puis je fais une autre fois, voilà, plus par là, et la même chose de l'autre côté. Donc une fois qu'on a appliqué, j'ai plus de voix, une fois qu'on a appliqué le shampoing sec, il suffit d'attendre 2-3 minutes. Donc moi j'attends environ 30 secondes et je vais masser mes cheveux. Donc c'est très simple, je fais comme ça, c'est pour répartir la matière un peu partout, au niveau des cheveux, voilà. Comme ça. Et ensuite, j'attends encore 2 minutes. Donc, je vous retrouve dans 2 minutes. Une fois donc ce laps de temps passé, il ne nous reste plus qu'à reprendre notre brosse et brosser notre belle chevelure de sirène. Voilà. Donc, on va faire une pseudo-raie. Hein. Là, on n'a plus qu'à brosser. Ça va permettre d'enlever toutes les petites particules blanches qui sortent du shampoing sec et qui absorbent l'excès de sébum. Et voilà. Oh là là, j'ai les racines qui resserrent tellement noir à la caméra. Alors. Voilà. On refait une raie. Bon, une fois qu'ils sont brossés, ce que je fais, c'est que je donne un peu de volume comme ça avec mes doigts. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que maintenant vous saurez vous servir d'un shampoing sec si vous ne le saviez pas avant, et dans ce cas qu'elle vous aura été utile. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, sinon vous avez toujours droit au pouce rouge, donc j'espère pas, hein, quand même. Et sinon vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, en vous abonnant normalement, non c'est plutôt par là. Par là vous êtes censé avoir un petit bouton qui vous permet d'aller sur ma chaîne et de vous abonner pour me suivre dans d'autres vidéos, ou voir les anciennes, pourquoi pas. Donc sur ce, je vous propose de passer une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir, bisous !